Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le verbe être, essere. Sono bello, vero? Je suis beau, n'est-ce pas? Sono bello, vero? Sono, je suis, sono. Sei bruttissimo, tu es très moche, très vilain. Sei bruttissimo. Sei, tu es, sei. Lui est Babbo Natale. Lui, il est le Père Noël. Lui est Babbo Natale. Lui est, il est, lui, il est. Lui est. È molto carina, elle est très jolie. È molto carina. Lei è, elle, elle est. Siamo felici di partecipare a questo esercizio. Nous sommes heureux de participer à cet exercice. Siamo felici di partecipare a questo esercizio. Siamo, nous sommes, siamo. Siete sposati legalmente? Vous êtes mariés légalement? Siete sposati legalmente? Siete, vous êtes, siete. Loro sono molto strani. Eux, ils sont très bizarres. Loro sono molto strani. Loro sono, eux, ils sont. Loro sono. Maintenant que nous avons fait la connaissance du verbe être, essayons de faire des petites phrases avec. Par exemple, être triste, être joyeux, essere triste, essere allegro. Riche, pauvre, essere ricco, povero. Beau, vilain, essere bello, brutto. Français, italien, essere francese, italiano. Lourd, léger, essere pesante, leggero. Grand, petit, essere alto, essere basso. À l'heure, in orario, essere in orario. Parti, essere partito. Fatigué, stanco. Être fatigué, essere stanco. Per esempio. Je suis triste, sono triste. Je suis riche, sono ricco. Je suis beau, sono bello. Tu es joyeux, sei allegro. Tu es pauvre, sei povero. Est-ce que tu es français, sei francese? Il est pauvre, è povero. Il est français, è francese. Il est italien, è italiano. Mais attention, c'est juste à dire elle, elle est française. Lei est francese, ne change pas. Par contre, elle est italienne, lei est italiana. Rappelez-vous, les adjectifs qui se terminent par o changent au féminin. Les adjectifs qui se terminent par e ne changent pas au féminin. Donc, noi siamo, nous sommes français, siamo francesi. Nous sommes français, siamo francesi. Nous sommes italiens, siamo italiani. Siamo italiani. Donc les adjectifs qui se terminent par e ne changent pas au féminin, mais ils changent bien au pluriel. Siete, vous êtes lourd. Siete pesanti. Siete pesanti. Vous êtes grand. Siete alti. Vous êtes à l'heure. Siete in orario. Eux, ils sont partis. Loro sono partiti. Eux, ils sont fatigués. Sono stanchi. Mais si je dois dire Maria et Carla sont italiennes, je dois dire Maria et Carla sono italiane. Italiane. Par contre, je dis Charlotte et Françoise sont françaises. Charlotte et Françoise sono francesi. Ne change pas. Voilà, et maintenant vous avez le tableau sous les yeux, vous pouvez vous entraîner à faire des petites phrases, comme par exemple, je suis à l'heure, sono in orario, Charlotte est partie, Carlotta est partita, nous sommes fatigués, siamo stanchi, etc., etc. Bon courage et à bientôt, bye!